Après plusieurs mois de campagne d'admission de bourse aux étudiants gabonais dans les universités russes, ils sont désormais près d'une soixantaine d'étudiants qui vont bénéficier de cette bourse de coopération Gabon-Russie. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, mais parce que vous avez réussi lors de la sélection rigoureuse, ce qui prouve que vous êtes les meilleurs parmi les méritants. C'est avec un immense sentiment de satisfaction que je me tiens ici ce jour, au nom de Monsieur le directeur général de l'Agence nationale des bourses du Gabon empêché, pour procéder de manière solennelle à la réception de nos jeunes compatriotes qui ont été sélectionnés par notre partenaire historique et culturel, la Fédération de Russie. Arthur Elizindon et Béard, 19 ans, en provenance du lycée Mbélé de Libreville, bénéficie d'un double privilège. Il est désormais considéré comme le premier Gabonais à accéder à GIMO, l'université la plus prestigieuse de Russie. Être accepté à GIMO, l'une des plus prestigieuses universités de Russie, est un honneur que je n'aurais jamais imaginé atteindre. Je m'engage à représenter dignement notre pays, le Gabon, et à mettre en pratique tout ce que j'apprendrai ici pour contribuer à la croissance et au développement de notre nation. Cette cérémonie de clôture de campagne d'admission de bourse était aussi l'occasion pour les anciens étudiants en Russie de manifester leur soutien aux nouveaux étudiants en partance pour la Russie. À ce jour, plus de 800 Gabonais ont bénéficié d'une formation de niveau international dans les établissements d'enseignement supérieur de la Fédération de Russie.